va jouer un bon de mlé. Au Congo, au Paran. Mente me jouer un bon de mlé. Oh, mbole ping, mbole ping, mbole ping, tu as un chou. Qui sait un peu comment ça se passe, qui sera un peu l'intermédiaire entre vous et puis la famille, la belle famille. Et vous avez aussi devant vous mon frère qui peut, qui sera un peu l'accompagnateur. L'accompagnateur, l'intermédiaire. Si vous avez quelque chose à dire, vous lui transmettez. Et lui, il va aller transmettre derrière là-bas en patois. Et si on lui dit quelque chose, ce que vous devriez faire, il viendra vers vous, vous le dire pour que tout soit unanime. Et puis, il y a aussi la marraine de Mibel, qui aussi, si vous avez quelque chose à dire, que ce soit lui ou elle. Maintenant, pour la famille de... Albertine, ce serait maman Colette, c'est ça, hein? Oui. Voilà, maman Colette,
Peu importe, hein, si c'est un secret que vous avez à lui dire, si vous avez des questions, posez-lui la question. Voilà. Donc, au nom de toute la famille de Albertine et Mibel, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue. Et soyez à l'aise. Hein. Ne soyez pas crispés. On est ensemble. Et si tout va bien, vous verrez que c'est si facile que ça. Voilà. Donc, elle va vous expliquer un peu le déroulé de comment ça se passe, la partie traditionnelle. Et voilà. Bon, et au-delà de ça, papa, comme il est là, parmi nous, papa Jean de Manou, ami à mon papa, papa de Manou aussi, Marc Désiré. Et nous sommes amis. Les papas amis, les mamans amis, nous sommes nés les mêmes jours. Oui. Et je la représente valablement au village, sur tout ce qui est coutumé au village quand elle n'est pas là. Et vraiment, on rend grâce à Dieu pour cela et à tous nos ancêtres là. Donc, une fois de plus, soyez les bienvenus. Ce que nous allons faire, on va passer rapidement à ce qui nous amène ici. La cérémonie doit se dérouler en deux phases. La grande première, en fait, vous devez rester dehors, toquer. Donc, ça veut dire qu'on cause jusqu'à le toquer, porte et en main, donc la clé, et on vous installe. Mais on harmonise les choses. Donc, nous allons commencer par le toquer porte. Le toquer porte, là, je ne sais pas si on vous a expliqué. Avant, nos aïeux le faisaient un peu comme une petite entente, un petit questionnement, une petite entente, et puis on gère avant de venir s'asseoir le grand jour pour dire, bon, oui, qui peut prendre un verre d'eau au nom de cet enfant? Donc nous le jubilons en ce jour, et si on vous a un peu expliqué comment ça se passe, je ne sais pas. Oui, on va juste dire oui, on envoie peut-être telle ou telle personne. Bon, comme vous avez déjà les gens qui forment votre famille, ce sont vos intermédiaires, vous allez poser et puis on va envoyer les personnes indiquées pour recevoir ou pour, pas marchander quand même, mais s'accorder si c'est bon ou c'est pas bon. Parfois, on fait un peu ça, on dit non, c'est petit, c'est petit. C'est une parabre. Bon, on fait un peu ça, on dit non. Même si c'est le ciel que vous avez, on va dire non. Les intermédiaires peuvent déjà rencontrer chaque famille pour la cause. Merci. Aïe, aïe, aïe. De la maison, que voilà, nous avons telle personne qui sont là et ils viendront vous faire le compte rendu. Aussi simple que ça. Maintenant, ce qu'ils vont faire, même si je veux vous expliquer avant qu'ils arrivent, ils vont aller voir le propriétaire de maison, ou bien le propriétaire des parents. Des enfants, il va dire ben, qui est-ce. Donc ils vont comme ça leur expliquer et après ils viendront vous dire ce que lui il a dit. Hein? Et à ce moment ils viendront vous accueillir. C'est ça, hein? Cha cha cha.
Était aux études dans la même école et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont ensuite appréciés. Ensuite ils se sont aimés. Donc la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, c'est pour vous demander la main de votre fille pour mon fils Maxime. Gloire à Jésus. Il y a M. Christophe. Moi, ça fait 17 ans que j'ai rencontré Christophe, que j'ai rencontré Bertine. On s'est croisés en Suisse et puis on s'est aimé. J'ai une autre femme. Parce que les enfants, les mamans à qui j'avais accouché, ce sont elles qui apportaient l'eau pour me masser. Elles me demandaient toujours que... Mais notre fille était partie que... Je disais toujours qu'elle était partie pour les études. La deuxième, pareil. Mais... J'ai dit aujourd'hui que
Vous aviez volé cette femme. Vous aviez volé cette femme parce que elles ont envoyé leurs enfants d'aller fréquenter. Et qu'est-ce que vous racontez? Donc vous allez les dire. Comme on a déjà vu. Transport. Le est-ce qu'elle a même vu? Non, le transport. Elle n'a même pas vu. Voilà. Tu n'as même pas
vu. Il sent l'odeur à distance. Dans le sang, tu sais que c'est pas elle. Juste toucher. Non. Paye, tu touches. Ouais. C'est que celle que tu dis là, elle ne vit pas ici. Elle est au Canada, hein. Elle est au Canada, hein. C'est que celle-là, elle est au Canada. Non, elle ne vit plus ici. Non, elle n'est pas ici. Tu allais la chercher, il faut prendre l'avion. Il faut prendre l'avion pour aller la chercher. Nous allons prendre le vol. Et puis elle ne vit plus ici. Non, c'est ça. Si ce n'est pas elle, c'est qu'il faut aller. Il faut prendre l'avion. Maintenant, si on apporte une autre fleur, je dis que ce n'est pas ça. Voilà ta fleur. Tu fais ça. On apporte ta fleur, tu refuses. Maintenant là, on ne sait même pas si c'est ça à quoi ou ce n'est pas ça ou. C'est ça ou c'est ça pas ou. Pardon. On appelle un billet de 100 000. Ça, ça. La roue là qui est percée. Ok, ça c'est la roue. Comme j'ai souffert pour le. Ah, s'il a payé le ton argent en transport. Il a payé ton argent en transport. Non, il doute. C'est qui? C'est la ils ne peuvent pas voir sans payer. Oui, c'est tout à fait normal. Mais ne perdez pas le temps, on va rater le train. La conviction, vas-y. Madame Alice, oh, je m'en vais. Que je m'en vais,
Nous sommes très contents
Que Dieu soit loué.